Tu la connais mieux que moi. J'ai répondu OK à ta proposition. Parle-moi de ce petit joyau. Assez mieux qu'un joyau. Bonsoir à tous. Vous savez, dans la vie, on bouge, on se déplace. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à Saint-Pierre. Et j'avais envie de vous faire partager ce moment parce que les enfants, on a tous des enfants. On y tient, c'est notre cœur. Et là, je crois qu'il y a une maman qui est un peu plus bas devant moi qui va être heureuse de voir ce petit bout de chou. Elle n'a que 10 ans. Et vous allez voir un talent plus que prometteur. Mon oreille n'a pas résisté à l'idée, et je remercie Fred et toute l'organisation d'avoir accepté, eh bien, que la petite Inès, c'est ainsi qu'elle s'appelle, soit sur scène. Vous allez être comme moi, je l'ai été il y a quelques semaines, au hasard d'une rencontre, bluffé. Beaucoup plus que la voix, elle a le talent. Beaucoup plus que le sens du partage, elle a de l'amour en elle, qu'elle a envie de vous donner. Elle va vous donner beaucoup plus que sa voix et son talent. Elle va vous faire partager ce qu'elle aime par-dessus tout, le chant. Quelle belle leçon qu'un petit bout de chou de 10 ans nous donne ce soir. C'est la lueur de l'espoir parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Dans ce monde fragile, voici une enfant costaud et pleine de talent. Elle s'appelle Inès. Mesdames, messieurs, Inès. Bonsoir. Thank you.
à tous. Merci beaucoup. Mais j'ai pas pu filmer, ça voulait pas démarrer ce truc-là.